dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Donc la vidéo n'aurait pas dû être faite aujourd'hui parce que j'étais censée avoir un rendez-vous. D'ailleurs, j'avais mis Sacha à la garderie. Seulement, il neige, donc mon rendez-vous a été annulé. Donc je vous fais l'update lecture. Je vais tout d'abord vous parler du livre Miracle Morning. Je vais ensuite vous parler du tome 1, du tome 2 et du tome 3 des Étoiles de Nos Head. Et pour finir, la première lecture de 2019, Illuminae. Donc on commence tout de suite avec Miracle Morning de Hal Elrod aux éditions Pocket Jeunesse. Donc Hal Elrod raconte dans ce livre sa vie, son accident de voiture, etc. qui ont conduit à ce qu'il fasse cette recette miracle du matin qu'il dit qu'avant 8 heures, il faut se lever pour être plus productif. Et donc, grâce à 6 choses à faire le matin, nous serons plus productifs, notre vie sera mieux et nous arriverons à accéder aux rêves que nous voulons faire. Donc ça s'appelle les Savers. Donc il y a silence, affirmation, visualisation, écriture, lecture et sport. Voilà. Donc il explique comment il en est arrivé à faire ça, quelles ont été les épreuves de sa vie, les personnes qui l'ont aidé, et il nous explique aussi comment faire la méthode. J'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'avais commencé pendant un moment, mais moi honnêtement j'ai du mal avec cette méthode. Déjà parce que je me lève déjà très très tôt le matin, mais alors se lever une demi-heure plus tôt pour pouvoir faire ça, c'est vraiment très compliqué. Donc le jour où j'aurai retrouvé un bon rythme de vie, je recommencerai, je sais que ça m'ira. Pour l'instant, j'ai pas du tout un bon rythme, c'est une catastrophe, mes rythmes changent tout le temps, donc non, j'ai vraiment pas le temps pour y faire, mais voilà, quand je me serai enfin posée, je serai enfin... je pourrai la faire, mais en tout cas, c'est un beau 5 sur 5. Ensuite, nous continuons avec, si j'arrive pas à trouver, les étoiles de Nos Head. Donc je vais vous parler plus en détail du premier tome, mais je vous parlerai aussi des deux autres tomes, parce que sinon, chacun pas les mêmes notes, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, le tome 1, Vertige. Donc il s'agit des Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc le tome 1, il s'agit de Anna qui habite à Paris avec ses parents et qui va devoir passer les vacances d'été en Écosse chez sa grand-mère qui est aveugle. Anna n'est pas du tout emballée. Elle n'a pas du tout envie d'aller en Écosse, là où il n'y a rien à faire, etc., etc. Bref, ce n'est pas Paris, c'est un petit village. Mais ça va être sur sa route l'Est. Donc elle va rencontrer une première fois à l'aéroport, vu qu'elle va, je ne sais plus comment on dit, mais vous aurez compris. Voilà, ils vont se coliser, voilà, sans faire exprès. Puis elle va le retrouver plusieurs fois à d'autres occasions. Et va s'en suivre toute une histoire d'amour. Donc, cette saga est beaucoup comparée à Twilight. Donc oui, elle ressemble énormément, mais celle-là est en mieux. Et Twilight, c'est plus porté sur les vampires. Celle-là, c'est plus porté sur les loups-garous. Par contre, c'est clair qu'il y a des consonances entre les deux. Par exemple, le tome 3 de Twilight est surtout sur les loups-garous, alors que la série en elle-même est surtout sur les vampires. Et là, c'est le sens contraire. Donc voilà, mais je préfère les Étoiles de Nos Head à Twilight, honnêtement. La plume de l'auteur est juste magnifique dans un français que peu de personnes arrivent encore à écrire. Et je trouve ça vraiment génial. J'ai adoré l'histoire, franchement, ça a été un gros coup de cœur. Même si, je dois avouer, mais ça ne m'a pas dérangé pour ce livre, alors que d'habitude ça me dérange, c'est qu'en fait, tout était prévisible. On le savait à l'avance et ça arrive. Anna est totalement, je ne sais pas comment dire, elle ne voit pas du tout les choses arriver là où nous les voyons arriver. Mais ça ne m'a pas dérangé pour ce livre, j'ai vraiment adoré. Du coup, voilà, ça a été un 5 sur 5. Coup de cœur. Ensuite, le tome 2 qui est Rivalité. Donc, ce tome-là était parti pour un coup de cœur. Hein. Franchement, je l'adorais. Ouais, je l'adorais, oui. Jusqu'à la fin. La fin inattendue, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça m'a laissé un petit peu refroidi la réaction de Les envers Anna. Je vais vous spoiler, hein. Mais en fait, un ange noir va remordre le cœur d'Anna, qui va la transformer en ange noir, et du coup, Les va la laisser tomber, parce qu'elle est devenue un ange noir. Ce qui m'a fait descendre la note à 4 sur 5, parce que franchement, la réaction, je m'y attendais pas du tout. Surtout qu'il disait que c'était son âme sœur, qu'ils allaient aménager ensemble, que jamais il ne la laisserait tomber. Et là, d'un coup, il la laisse tomber juste parce qu'elle devient un ange noir. Donc j'ai eu du mal avec cette réaction, mais à part ça, très très bonne lecture.
Le tome 3 qui est Accomplissement. Alors celui-là, ça a été un 3 sur 5. Il a été très très long à lire. Pourtant, c'est une petite briquette. Hein. J'ai l'habitude de lire des grosses grosses briquettes en une journée, en quelques jours. Il y avait 475 pages, donc c'était rien du tout. En plus, c'est écrit assez gros. Ben, j'ai mis plus de 3 semaines à le lire parce que je lisais une page et je m'arrêtais parce que ça me gonflait. J'ai failli l'abandonner plusieurs fois, mais je déteste abandonner mes livres. C'est très très rare que je les abandonne. Du coup, j'ai continué. Je me suis dit, allez, vas-y, continue à le lire. Mais j'ai vraiment eu de mal, du mal. Donc là, dans ce livre, il va y avoir beaucoup de longueur parce qu'il va y avoir beaucoup d'explications. Étant donné qu'Anna s'est transformée en ange noir, du coup, eh ben, il va y avoir des explications sur comment elle fait pour faire ses ailes, pour les dents, pour ses dents de vampire, qu'est-ce qu'un ange noir, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut voir, les différences avec les loups, etc. Et ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, ben alors si vous l'avez lu, dites-le-moi en commentaire si ça vous l'a fait aussi, c'est que Lès revient comme un petit toutou, alors qu'il l'abandonne, qu'il la laisse tomber parce que c'est un ange noir. Et il aurait pu revenir, mais tout doucement dans l'histoire, voilà, s'habituer à ce qu'elle soit un ange noir, etc. Et là, il revient direct, oh oui, je t'aime, je suis désolée, tatati, tatata. Et Anna qui le pardonne presque tout de suite, et j'ai pas du tout apprécié, parce que franchement, vu la fin du tome 2, comment ça m'avait blasé, comment il l'abandonnait comme ça, franchement, j'avais pas du tout apprécié. Et le fait qu'il fasse ça dans le tome 3, qu'il revienne comme un petit toutou tout de suite, ça m'a laissé un petit peu de marbre. Donc du coup, nous verrons bien pour le tome 4 et le tome 5. Le tome 4 est dans ma pile à lire printanière, donc je le lirai début du printemps. J'espère que ça sera mieux que le tome 3, hein, parce que franchement, là, pour le coup, ça m'a un petit peu déçu, même si c'est toujours mieux que Twilight, pour ma part, ce que je trouve. Ensuite, ce que je voulais dire, voilà, je voulais aussi dire qu'en fait, la saga aurait pu s'arrêter à ce tome. La fin de ce tome était parfaite, ça aurait réellement pu s'arrêter là. Finalement, ils ont fait Sophie Joma a fait un tome 4, un tome 5. Est-ce que ça sera bien? Voilà. À côté de ça, je voulais vous dire, vous demander, est-ce que vous avez déjà lu par hasard Kelleana? Parce que je sais que Sophie Joma donc a fait la saga Kelleana. Et j'hésite à me l'acheter pour la lire. Donc si jamais vous avez un avis, vu comment j'ai bien aimé les étoiles de Nos Ed, est-ce que c'est mieux, moins bien? N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse savoir. Et enfin, première lecture de cette année. Un gros 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 coup de cœur. Illuminae, écrit par Amy Kaufman et G. Christophe, aux éditions Casterman. Donc c'est une grosse briquette. Je vous l'ai déjà montré dans mes cadeaux livresques de Noël. Donc comme je vous ai dit, l'objet livre est vraiment magnifique. Ce n'est pas un livre ordinaire vu qu'il y a un petit peu de tout. Des comptes rendus, de vidéosurveillance, de discussions, des comptes à rebours, tout ce que vous voulez. Franchement, c'était génialissime, ce livre a été un gros 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 coup de cœur pour moi. Donc, je l'ai commencé le premier, je l'ai fini le 13, mais le premier j'avais lu qu'une vingtaine de pages, et ensuite je me le suis fait entre le 11 et le 13. Le 11, je me suis fait trois quarts du livre, et le 13, j'ai terminé le livre, quoi. Donc, il s'agit en fait d'Ezra et Cady qui se séparent. Donc, ils habitent sur la Terre Kerenza 4. Et en fait, Betek va attaquer cette planète. Donc, Terra, ça fait longtemps que c'est mort. On est en 2575, hein. Donc, ça fait longtemps que la Terre n'existe plus. Et en fait, ils vont se faire attaquer par Betek, qui est une industrie interplanétaire. Donc, du coup, ils vont réussir à s'enfuir. Cady va aller sur l'Hypatia. Ezra sur l'Alexander. Et il y aura aussi le Copernicus. Et il va s'en suivre toute une histoire. Donc, avec une ar intelligence artificielle qui s'appelle Edan, qui va totalement dérailler, qui va faire des choses qu'on ne va pas comprendre, voilà, qui va détruire le Copernicus. Il va y avoir aussi une maladie qui va se répandre, voilà, et ce livre, mais c'est juste une merveille. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais à peu près vous spoiler, même si là je vous ai déjà spoilé et tout, mais je ne peux pas vous dire les actions qu'il va y avoir, etc. Mais ce livre était juste une merveille à lire. Bon, en même temps, il y a des pages qui sont pas très compliquées à lire, hein, quand vous voyez. Attendez, il faut vraiment que je vous montre, mais c'était en début du livre. Il y a des pages juste comme ça, où il y a juste des photos pour dire les victimes. Il y a des pages où c'est que c'est juste un beau dessin. Il y a des pages, c'est des comptes à rebours. Donc voilà, ce livre se lit très très facilement. Et ce que j'aime, c'est qu'on aura le point de vue de Cady, le point de vue d'Ezra, le point de vue de l'intelligence artificielle, le point de vue des chefs des différents vaisseaux.
Donc il y aura pas mal de points de vue et aussi des messieurs qui font les comptes rendus des vidéos surveillance. Donc ils expliquent tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont vu sur les caméras. Et j'ai vraiment adoré. Ce livre a été, comme je vous dis, un énorme coup de cœur. Ce livre, je le relirai sans souci parce que franchement, je vous le conseille. Même si vous aimez pas trop la science-fiction, allez-y, les yeux fermés. Là en plus, comme vous pouvez le voir à quelque part, j'ai le tome 2 et le tome 3 juste là. Donc du coup, j'ai très très hâte de me plonger dans le tome 2 et le tome 3 qui, je sens, vont être autant des coups de cœur. Mais voilà, allez-y, foncez, ça vaut vraiment le coup. Voilà, mon update lecture est terminé. Vous en aurez très prochainement un autre vu que là, les étoiles de noces aident, je les ai lues en novembre. Donc comment vous dire que j'ai pas mal de retard sur mes vidéos, mais vous comprendrez ou vous ne comprendrez pas que moi, pendant l'hiver, c'est très difficile pour moi moralement. Il y en a beaucoup qui disent que moralement c'est plus difficile en hiver parce qu'il n'y a pas le soleil, etc., etc. Donc je confirme, moi c'est très dur quand j'ai pas le soleil. Surtout que je suis dans une maison qui n'a pas forcément le soleil tout le temps vu qu'il y a d'autres maisons qui cachent le soleil. Donc c'est assez compliqué pour moi. Mais voilà, je fais des vidéos quand je le peux, quand je le veux aussi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, j'ai assez blablaté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.